Savoir traiter l'eau d'une piscine après un orage. Souvent, le temps est à l'orage. On a un temps lourd. Ce temps lourd a une conséquence sur le pH de votre piscine. Sans rien faire, votre pH passe rapidement de 7,2 à 8. Avec un pH à 8, votre chlore actif passe à 22% d'efficacité. C'est-à-dire que le chlore présent dans votre bassin ne fonctionne plus. La conséquence est immédiate, votre eau devient verte. Donc pensez à anticiper, à monter votre taux de chlore, souvent au mois d'août, quand on a des orages fréquents. Deuxième chose qui peut se passer quand on a un temps à l'orage, c'est une précipitation de la pluie dans votre piscine. 90% des pluies en France ont des pluies acides avec un pH à 5,5. On va automatiquement troubler l'eau. Tous les sels minéraux dissous vont apparaître en suspension. Et pour ça, un petit cube de gel dans le pré-filtre de votre pompe pour avoir une eau scintillante. CTX Pro, expert du soin de l'eau, est à vos côtés.